européenne se réunissent aujourd'hui et demain au château de Versailles. Un sommet européen informel prévu de longue date, mais dont l'ordre du jour a été chamboulé par la guerre en Ukraine. À l'ordre du jour initial, le modèle européen de croissance et d'investissement pour 2030, mais la guerre en Ukraine et ses conséquences seront finalement au cœur du sommet. En effet, le conflit en Ukraine aura de lourdes répercussions sur l'économie mondiale. Afin d'amortir le choc, devraient être proposées les bases d'un plan de résilience et d'investissement. Des dépenses seraient ainsi fléchées vers la défense, mais aussi vers la transition écologique. Une transition écologique qui doit désormais permettre d'assurer la sécurité de l'Union en réduisant la dépendance à l'égard des importations de combustibles fossiles russes. Un autre sujet sensible sera abordé, la volonté de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie d'adhérer à l'Union européenne. Si la France plaide pour un processus par étapes, sans précipitation, le sommet de Versailles devrait néanmoins adresser un signal politique favorable à ces trois pays. Au cours de ce sommet, les dirigeants européens devraient également adopter un nouveau train de sanctions visant notamment des oligarques russes, le secteur maritime et trois banques biélorusses. Crédit Suisse a abaissé mercredi sa prévision de croissance européenne pour cette année en raison des répercussions de la guerre en Ukraine sur les prix des matières premières et les chaînes d'approvisionnement. Les sanctions adoptées par les puissances occidentales contre la Russie à la suite de l'attaque lancée par le Kremlin contre l'Ukraine ont entraîné une envolée des cours du pétrole, des métaux, du blé et autres ressources de base, ce qui risque de peser sur l'économie européenne. Dans ces dernières prévisions, Crédit Suisse dit s'attendre désormais à une croissance de l'économie européenne de 1% cette année contre 2 à 2,5% précédemment, ajoutant que toute intervention budgétaire n'aurait qu'un impact limité. L'économie américaine semble en revanche plus solide selon Crédit Suisse. La croissance des États-Unis ne reculera probablement que de 50 à 100 points de base à environ 3%, a estimé Andrew Gartwaite. L'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, présentera la semaine prochaine un plan d'urgence sur le pétrole, a annoncé mercredi son directeur Faith Byrol, alors que les cours du brut ont flambé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le 1er mars, les membres de l'AIE se sont entendus pour libérer 60 millions de barils de réserves de pétrole sur les marchés mondiaux pour faire face à cette hausse des prix. Les États-Unis ont de leur côté suspendu mardi les importations de pétrole et de gaz russe en représailles à l'offensive sur l'Ukraine. Faith Byrol a aussi déclaré que l'AIE allait chercher des solutions pour réduire la demande de pétrole dans les mois à venir. Les 60 millions de barils ont été une première réponse. Cela ne représente que 4% de nos réserves. Si besoin, si nos gouvernements en décident ainsi, nous pourrons apporter plus de pétrole sur les marchés, a ainsi déclaré Faith Byrol lors d'une conférence sur l'énergie à Paris. Le secteur privé a enregistré 677 700 créations nettes de postes sur un an à la fin de l'année 2021, dépassant de 323 700 emplois son niveau d'avant-crise fin 2019, selon l'estimation définitive publiée mercredi par l'Institut national français de l'économie et de la statistique. Au dernier trimestre, en France, l'emploi salarié a augmenté de 0,6%, comme au trimestre précédent. Par rapport à son estimation provisoire du 4 février, l'INSEE a revu ses chiffres légèrement à la hausse, de 0,1 point sur le trimestre à 0,2 point sur l'année. En 2020, sous l'effet de la crise du Covid-19, quelque 320 000 emplois avaient été détruits dans le secteur privé après 5 années de hausse consécutive. L'emploi intérimaire, boussole du marché de l'emploi, augmente fortement au dernier trimestre de 5,4%, soit 42 300 emplois, et dépasse pour la première fois son niveau d'avant-crise, toujours selon l'INSEE. Avant de poursuivre notre émission, faisons un rapide point sur l'évolution des marchés hier. Suite à l'annonce que Kiev pourrait discuter de sa neutralité politique avec Moscou, le marché parisien a pris 7,13% à 6387 fois. Toute la cote a fini dans le vert. Du coup, les principales hausses sont à mettre à l'actif du secteur des biens de consommation qui ont signé une hausse de 8,81%, des services financiers qui ont signé une croissance de 7,81% avec Société Générale en lumière qui prend 11,53% à 23,50 euros le titre et BNP Paribas qui a signé une hausse de 9,95% à 51,41 euros le titre. Les utilities ont pris 7,72%. Dont Veolia qui a signé une hausse de 12,26% à 28,84 euros le titre. L'industrie a pris 6,80%, emmenée par Airbus et Safran, qui prennent respectivement 9,46% et 9,33% à 103,14 euros et 104,48 euros le titre.
Après avoir pris près de 30% depuis le début de l'invasion russe, le Brent a cédé hier 12,54% à 112,71 $ le baril, et le WTI, qui avait également pris plus de 30%, a marqué un repli de 11,88% à 110,04 $ le baril. Sur fond de régulation du Bitcoin aux USA, le Bitcoin a pris 8,53% à 41 892 $ l'unité. Nous allons marquer une première pause et juste après, on vous fera vivre l'ouverture de la séance parisienne, une séance en direct décryptée par les équipes d'Interactive Trading. A tout de suite sur Téléfinance.